Bonjour à tous. Donc moi je suis Julie Benlacal, la secrétaire générale de Projeunesse, donc la fédération de jeunes socialistes et progressistes qui regroupe donc un certain nombre d'organisations de jeunesse et de fédérations de centres et maisons de jeunes répartis sur tout le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc je vous remercie d'être présent afin de débattre ensemble et avec notre invité Monsieur Olivier Luminet sur cette question de plus en plus présente et d'actualité aujourd'hui. Donc quels sont les impacts du confinement sur la santé mentale des jeunes. Quelles conséquences psychologiques et socio-économiques laissent derrière elles cette première année déjà de crise pandémique chez les jeunes? Donc, nous sommes ici ce soir, donc voilà, sur Zoom et sur Facebook, ben, soit des acteurs de terrain, des travailleurs, des bénévoles du monde de la jeunesse, et nous œuvrons donc avec celle-ci au quotidien dans les organisations de jeunesse, dans les centres de jeunes, dans les maisons de jeunes. Puis il y a aussi peut-être des parents qui sont inquiets, qui ne savent pas toujours comment réagir face à la détresse des jeunes, ou encore des personnes qui essaient de comprendre aussi cette jeunesse en colère sans la juger. Moi, je me suis rappelé d'une phrase de François Mitterrand qui disait que même si la jeunesse n'a pas toujours raison, ceux qui la méconnaissent et qui la frappent ont toujours tort. Et on peut le voir et on peut le lire aussi, bah, les jeunes n'ont effectivement pas été épargnés par le monde des adultes durant cette crise, que ce soit dans la presse ou encore même sur les réseaux sociaux. Il suffit de lire même peut-être les commentaires sur Facebook à l'annonce de cette conférence ce soir pour s'en rendre compte. Alors, ben, comment vont nos jeunes et comment leur venir en aide? Ici, peut-être plus particulièrement la tranche 18-25 ans, parce que nous nous rendons bien compte, hein, sur le terrain, les jeunes ne vont pas bien, dépriment, se replient sur eux-mêmes. Ils nous parlent, s'ils nous parlent, mais en tout cas de dépression, de troubles du comportement, du trouble alimentaire parfois, et voire même pour certains de suicides. Ils sont particulièrement éprouvés par cette crise sanitaire et ça fait un an que ça dure. C'est vrai que rien n'aurait pu les préparer à vivre cette année atypique, ni eux ni personne par ailleurs. Donc voilà, le secteur de la jeunesse que je représente, mais aussi des professeurs, des experts de la santé mentale, et puis même les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas toujours besoin de nous pour s'exprimer, mais ont déjà tiré la sonnette d'alarme, pardon, cet hiver auprès des médias, des politiques, leur demandant d'alléger, hein, les mesures restrictives les concernant. Et puis, ben, c'est pas gagné, hein. On leur a promis, par exemple, de reprendre en partie le présentiel dans les écoles et les universités. Et puis, voilà, on a dû faire marche arrière, leur demandant de patienter encore et encore, alors qu'ils sont censés quand même vivre les plus belles années de leur vie. Et qu'ils se sentent aujourd'hui, ils nous confient un peu comme des fantômes isolés, n'ayant plus aucun contact avec parfois ben, leur famille, les amis, les professeurs, avec le monde tout court en fait, ce monde qui est censé leur ouvrir les portes de l'âge adulte. Alors voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Olivier Luminet, et j'espère que tous et toutes, ben, vous pourrez peut-être mieux répondre, mieux soutenir cette génération qui se dit sacrifiée par cette pandémie. Alors, quelles sont leurs inquiétudes, leurs doutes, mais aussi leurs espoirs, leurs rêves? Voilà, donc il y a une enquête qui a été faite, il y a certainement plein de choses à découvrir avec vous, Monsieur Luminet. Donc, je vais vous laisser la parole et je vous remercie à tous et toutes d'être parmi nous, et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour votre invitation. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de présenter les résultats de cette enquête auprès d'une association de jeunesse, parce que évidemment vous êtes les premiers concernés. Et donc, ce que je me propose de faire, en fait, c'est de faire un résumé des résultats principaux de cette étude, de centrer particulièrement sur les questions de santé mentale qui vous préoccupent plus particulièrement, et d'avoir un temps suffisant d'échange, parce que le but aussi, c'est d'avoir votre retour et d'avoir une discussion tous ensemble sur ces résultats. Donc, ce que je propose, c'est de partager mon écran avec le PowerPoint qui résume les éléments principaux. J'espère que vous le voyez. Vous le voyez bien? Voilà, donc cette étude, en fait, on l'a menée à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Donc c'est le moment du
du début du deuxième quadrimestre. Effectivement, c'est important d'indiquer que c'est la tranche 18-25 ans, et c'est important de dire que ce sont des étudiants. Et donc, je vais expliquer pourquoi, mais il y avait une facilité évidemment de contact, puisqu'on a pu contacter les directions d'écoles, de hautes écoles, les recteurs des universités. Et donc, évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble de la jeunesse de 18 à 25 ans. Donc, ça, c'est une précaution importante. Dans ce groupe, donc, on est 4 psychologues à avoir travaillé sur cette enquête. Psychologue de la santé, psychologie sociale, psychologie clinique, parce qu'il y avait plusieurs aspects qui étaient concernés. Et on fait partie d'un groupe qui s'appelle Psychologie et Corona, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un groupe d'experts psychologues de toutes les universités francophones et flamandes, mais aussi d'associations professionnelles. Et donc, on essaye, dans nos prises de position, nos avis, de refléter toute une série d'éléments ou de facteurs d'importance psychologique dans la crise actuelle. Donc, on a réussi à toucher, à informer en tout cas toutes les universités francophones, les hautes écoles, les écoles supérieures d'art, et on voulait un bilan assez large, c'est-à-dire couvrir plusieurs aspects, pas que les aspects psychologiques, mais l'impact de la crise au niveau financier, parce qu'on sait qu'elle est très importante, et sur les dimensions sociales et pédagogiques, donc toutes les questions d'apprentissage qui sont liées à ce passage difficile à un enseignement distanciel. Et donc, on a réussi à toucher beaucoup d'étudiants, puisque la population globale de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles est d'à peu près 220 000 étudiants. Donc, ici, avec 23 000 réponses, on a un taux de réponse plus que satisfaisant, qui nous permet d'avoir une très petite marge d'erreur. Donc, ça veut dire que les chiffres qu'on avance ici sont très, très proches de la réalité, même si on sait toujours que dans ce genre d'enquête, bah, c'est les gens les plus motivés qui vont répondre. En termes de répartition, vous pouvez vous dire tiens, peut-être très peu en école supérieure des arts, mais en fait ça correspond à la réalité. 4%, ça correspond à la réalité du nombre d'étudiants en école supérieure des arts. Il y a juste une petite différence au niveau université haute école. En fait, c'est plus dans la population générale, c'est plus équilibré. Donc on a une petite surreprésentation ici des étudiants à l'université. Si on précise que dans les répondants, 63% vivaient chez leurs parents, c'est que c'est une situation atypique, c'est beaucoup plus que d'habitude, mais ça reflète la situation de cette année où beaucoup d'étudiants qui étaient en côte ou en logement près de leur institution sont revenus chez leurs parents, et donc c'est la raison pour laquelle on a ce pourcentage. Et à une petite surreprésentation aussi de femmes, mais globalement dans l'enseignement supérieur, il y a déjà une majorité de femmes qui sont présentes. Donc, comme je disais, cette enquête a été faite du 22 février au 5 mars. Comme le questionnaire était relativement long, tout le monde n'a pas eu tous les volets de l'enquête, ce qui fait qu'il faut considérer qu'on a à chaque fois au moins 11 000 répondants pour chacune des questions, ce qui est aussi largement suffisant pour tirer des conclusions tout à fait valides. Donc, le premier volet de l'enquête, c'était la question des difficultés, aussi bien financières que scolaires. À chaque fois aussi, dans cette présentation, je pourrais vous en envoyer une copie, on a aussi recueilli des témoignages directs et il y avait une partie ouverte à la fin de l'enquête. Et c'est important de noter qu'une grande proportion d'étudiants a souhaité répondre à cette partie-là, ce qui pour nous exprime un grand besoin aussi d'expression, au-delà des questions fermées sur des échelles. Ils ont aussi voulu exprimer leur ressenti actuel. Et donc, on a laissé chaque fois quelques exemples de ses ressentis. Donc ici, sur les difficultés, si j'en lis un, le premier, la seule chose que je demande, c'est de retrouver nos auditoires. Commencer ses études tout seul devant son ordinateur est une épreuve insoutenable. On n'a pas eu le temps de créer des liens avec les autres étudiants. On n'a jamais connu de vie sur un campus. Et donc, ça reflète évidemment la réalité des étudiants qui viennent d'arriver, qui n'ont encore aucun repère très, très clair et qui ont particulièrement souffert de cette situation. Alors, au niveau financier, on a demandé en fait une information globale, situation financière suite à la crise, et une information sur le dernier mois pour voir s'il y avait aussi une évolution. Donc, si je prends le graphique de gauche, on peut considérer que près de la moitié des étudiants considèrent que leur situation financière s'est détériorée, à 43%, donc c'est vraiment extrêmement important. Et si on va voir sur le dernier mois,
On voit deux groupes vraiment à risque, 23% qui disent devoir faire très attention et 9% qui indiquent même avoir des difficultés à subvenir à leurs besoins essentiels. Et donc, besoins essentiels, c'est se nourrir, payer son loyer notamment. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers des étudiants du supérieur qui sont vraiment dans une situation extrêmement précaire sur le plan financier. Donc ça, c'est un premier élément important. Alors sur les aspects autres difficultés, il y a évidemment les aspects plutôt pédagogiques. C'est très clair sur ce résultat-ci que ce passage au distanciel prend plus de temps et plus d'investissement. Donc les deux tiers d'entre eux disent plus de temps, seulement 20% moins de temps. Donc ça veut dire que dans leur organisation générale, c'est quelque chose qui a été compliqué et qui en plus a été coûteux au niveau psychologique. Ici, on a un peu fait l'inventaire de toute une série d'éléments. Vous voyez en rouge, c'est quand les gens indiquent que la situation s'est passée de manière fréquente. Donc si je prends par exemple la fatigue mentale et physique, 80% des étudiants nous ont déclaré être dans un état de fatigue mentale et physique par cette situation de devoir suivre les cours en ligne. Pratiquement 80% déclarent un manque de motivation, plus de 60%, presque 70% un sentiment d'isolement et de solitude, et pratiquement 50% indiquent avoir des difficultés à gérer le stress dû à ces cours en ligne. Donc il y a des difficultés majeures, et je dirais comme enseignant, j'ai pu le constater, de moins en moins d'étudiants qui suivaient les cours en ligne au cours de l'année. J'étais surpris du décalage entre le nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'étudiants qui suivaient les cours, qui est tout à fait différent de ce qu'on observe les autres années. Et donc ça sous-entend que toute une série d'étudiants n'arrivaient pas, en tout cas, à se connecter à l'heure du cours. Alors, ils avaient toujours l'occasion de revoir le cours plus tard, mais en tout cas, au moment du cours habituel, seule une petite partie était présente. Or, c'est un moment d'interaction. Évidemment, c'est beaucoup plus riche que le moment où ils réécoutent simplement l'enregistrement. Alors, un sentiment de décrochage scolaire, ça, c'est important de souligner que c'est un sentiment subjectif, hein, parce que peut-être qu'en janvier, vous vous souvenez, la ministre de l'enseignement supérieur avait dit que le taux de réussite est assez bon, il n'est pas en tout cas en baisse par rapport aux autres années. Ça, c'est les résultats des examens, mais ce qui est important, c'est de voir qu'en termes de sentiment de décrochage, on a quand même un niveau assez élevé. On demandait les 6 derniers mois et le dernier mois. Ce chiffre a augmenté, donc le chiffre du dernier mois est plus important que celui des 6 derniers mois. 40% déclarent subjectivement être en décrochage pratiquement, et avec un chiffre plus élevé pour les étudiants de bachelier, c'est pas tellement surprenant, ils sont en début de cursus. Donc là, ça veut dire que même si les résultats objectifs n'étaient pas mauvais, on voit quand même que les étudiants se sentent en décrochage, et il est possible aussi que ce sentiment ait augmenté suite à la reprise du deuxième quadrimestre. Il y a un effet de fatigue et d'accumulation qui s'est fait sentir. Alors, le volet très important sur la santé mentale, et vous le savez certainement, la santé mentale, c'est un élément essentiel de la santé en général. Il est reconnu maintenant par toutes les instances officielles que quand on parle de santé, il faut parler à la fois de santé physique et de santé mentale. On ne peut pas passer à côté de cet élément-là. Et on a investigué toute une série d'éléments que vous voyez ici et que je vais passer en revue, et qui sont des éléments, je dirais, vraiment inquiétants. Alors, on peut penser que la résolution de la crise va améliorer la situation d'un certain nombre d'étudiants, mais les chiffres qu'on a obtenus fin février et début mars sont d'un tel niveau qu'on peut raisonnablement penser qu'un nombre très important d'étudiants vont être encore en situation de détresse psychologique dans les mois qui viennent. Et donc, comme je disais, les témoignages sont souvent bouleversants, sont souvent poignants. Si je lis le premier, je n'ai plus envie de me lever, je n'ai pratiquement pas de motivation à suivre les cours en ligne, alors que j'adore en temps normal écouter mes cours, car ils me passionnent. Tout et tout le monde m'énerve, j'ai envie de pleurer tout le temps, je ne vois même plus l'intérêt de vivre si nous ne sommes plus libres de rien. Et ce genre de témoignages, malheureusement, on n'a pas été sélectionnés les plus forts. On en a eu de nombreux qui témoignaient de cette situation de détresse. Et un des moyens de voir cette situation de détresse, c'est de leur poser des questions sur leur état émotionnel. Et on voit ici qu'un état dominant, c'est un état de colère. Si on additionne les pourcentages d'étudiants qui se déclarent fortement ou moyennement en colère, 60% d'entre eux qui sont dans cet état-là, c'est évidemment un chiffre extrêmement élevé.
Et à contrario, au niveau du ressenti d'émotions positives et de se sentir heureux dans la situation actuelle, on voit que seulement 48% d'entre eux déclarent au moins un certain niveau. Mais ce qui est inquiétant, c'est que si on ne prend que le niveau fortement heureux, en fait, on se situe à 15%. En fait. Donc, ça veut dire que début mars, il y a seulement 15% d'étudiants supérieurs qui se déclaraient très heureux dans la situation. Donc, les deux en balance, le sentiment de colère et le sentiment de bonheur, on voit effectivement un décalage énorme. En général, surtout pour une population jeune, les émotions dominantes sont des émotions positives. Or ici, ce n'était pas le cas. Alors, on a posé la question du sentiment de satisfaction relationnelle. Là, heureusement, les étudiants ont des ressources. Donc, quand ils sont en couple, leur partenaire est clairement une ressource importante par rapport à leur satisfaction actuelle. Leur famille est aussi une ressource, leurs amis. Par contre, on constate qu'ils sont globalement insatisfaits de leur relation avec les autres étudiants et avec les enseignants, très vraisemblablement parce qu'il n'y a pas de relation. La situation actuelle fait qu'ils ne voient pratiquement pas les autres étudiants et qu'ils ne voient pratiquement pas les enseignants. Donc là, même s'il y a des possibilités de résilience, je dirais que leur environnement immédiat, il y a très clairement aussi un manque de contact criant avec des acteurs essentiels de la situation normale de l'enseignement supérieur. Alors ce graphique-là, il a été très, très, très fortement relayé par les médias parce que c'est celui qui a sans doute le plus impressionné. Donc, on a utilisé une échelle validée qui est la HAD, une échelle d'anxiété et de dépression. Et cette échelle a trois niveaux, absence, suspicion ou niveau avéré. Il faut toujours se dire que quand on a des échelles subjectives autorapportées, il y a toujours des cas limites. Mais ici, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'on a 50% de cas avérés d'anxiété, 55% de dépression. Donc là, on n'est plus tellement dans le doute, c'est que les symptômes sont vraiment très présents. Donc, on peut, en synthétisant les choses, dire que fin février, début mars, la moitié des étudiants du supérieur étaient dans des états avérés d'anxiété et de dépression. Et ces chiffres sont clairement en hausse, puisque une de nos collègues avait réalisé une enquête sur un plus petit échantillon en avril 2020, et on avait des chiffres qui étaient plutôt de l'ordre d'un tiers, qui étaient déjà très élevés. Mais donc, on voit quand même que ces chiffres ont augmenté de manière substantielle entre les deux périodes. Alors, ça se traduit aussi par une série de symptômes, hein, des symptômes psychologiques, psychosomatiques, comportementaux. Dans les premiers, troubles du sommeil et troubles de l'appétit, ils sont bien présents. Encore une fois, si je ne prends que le rouge, on voit que 60% des étudiants indiquent des troubles du sommeil, 60% des troubles de l'appétit, c'est majeur. Et on sait évidemment que quand le sommeil est en mauvais état, ça va affecter l'état psychologique général, ça va affecter les capacités d'apprentissage, et donc cette fatigue qui était par ailleurs déclarée par rapport au suivi des cours en ligne. On voit aussi le sentiment d'isolement et de solitude, 60% disent le ressentir souvent, donc ça c'est aussi très interpellant, 20% occasionnellement, donc une grande majorité d'entre eux. Et à droite, on a noté aussi quelques autres éléments. Perte d'espoir en l'avenir, 57% d'entre eux. Pensée suicidaire, 20%. J'explique toujours qu'une pensée suicidaire, heureusement, ne veut pas dire un passage à l'acte suicidaire, mais ça veut dire en tout cas que c'est des idées qui leur traversent l'esprit. Et 11% déclarent avoir eu à un moment ou l'autre des comportements d'automutilation, qui est un signe aussi de détresse extrêmement importante quand il commence à y avoir des manifestations de violence, que ce soit vis-à-vis des autres, mais dans ce cas-ci, vis-à-vis de soi-même. Donc tous ces éléments-là sont évidemment extrêmement inquiétants, alarmants, et ils font partie d'un tout. Ici, dans ce petit graphique, on a remis en éléments tous les éléments qui sont présents. Il y a la réalité qui est qu'ils ont eu très peu de relations avec les autres étudiants, qu'il y a eu très peu d'activités hors études, que ce soit festif, culturel ou sportif, qu'il n'y a pas eu de contact physique aussi. Or, on sait le besoin de contact physique qui est extrêmement important pour les jeunes. Il y a aussi cette question de perte de sens. Beaucoup de jeunes déclarent ne plus très bien savoir quel est le sens de leur activité, leur existence, de leur avenir. Donc tous ces éléments-là, mis ensemble,
montre un tableau quand même assez inquiétant et qui montre qu'il y a toute une série d'actions et d'initiatives qui sont nécessaires. Alors heureusement, justement, par rapport à ces ressources, on voit qu'il y a certaines ressources, on l'avait déjà vu un petit peu avant, hein, ici revient la famille qui est très largement mise en évidence, mais ça veut dire que les étudiants qui n'ont justement pas ces ressources familiales, soit par rapport au fait que ils n'ont plus de famille ou que la famille est dans des situations conflictuelles ou que c'est des étudiants qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas de famille en Belgique, tous ces étudiants sont évidemment en très haute vulnérabilité. Alors les réseaux sociaux, les médias, l'activité physique, voilà toute une série d'éléments qui ont été mis en évidence. Donc on a listé en fait une grande série de ressources qu'ils pouvaient utiliser. Ça nous permet d'avoir une idée de l'inventaire, je dirais, de toute une série d'aspects qui montrent que il y a ces fameuses, ce qu'on appelle en psychologie, stratégies de coping pour faire face à la situation qui sont mises en route, mais qui ne sont pas suffisantes pour tout le monde et pour tous les étudiants. Et c'est la raison pour laquelle on a posé des questions sur le recours à l'aide psychologique. Et les chiffres ici sont intéressants. On doit absolument les mettre en rapport avec la situation avant Covid. Donc là, je n'ai pas encore le chiffre exact de cette situation, mais je pense qu'ils sont quand même interpellants. Dans l'enquête, 15% des étudiants ont dit avoir eu recours à des consultations psychologiques ou des services d'aide depuis le début de la crise, et 18% étaient en demande de le faire. Donc, en gros, un tiers d'entre eux ont besoin d'une aide psychologique, ça veut dire au-delà des ressources qu'ils peuvent avoir dans leur environnement immédiat. Donc, c'est évidemment très élevé. Et là, on voit toute l'importance de la mise à disposition de ces ressources. Et on pourra en discuter aussi tout à l'heure, mais il y a évidemment plusieurs niveaux d'aide. Il peut y avoir des aides qui sont plus des aides en groupe. Et il y a toute une série d'étudiants qui ont besoin d'une aide plus individualisée. Alors, je vais passer rapidement sur la question du respect des mesures sanitaires, qui n'est peut-être pas centrale dans les questions ici. Mais pour nous, c'était des informations utiles par rapport à des campagnes de prévention qui pourront être lancées aussi l'année prochaine sur les comportements classiques, avec aussi toute une série de réponses ouvertes, hein, où des étudiants se posent la question de savoir dans quelle mesure ces gestes sanitaires sont nécessairement utiles et nécessaires pour le moment. Et ici, je dirais, on a des chiffres comparables avec le reste de la population. On sait qu'il y a une grande variété dans ce suivi des règles en fonction des situations. Quand on est hors de sa fameuse bulle, dans une situation intérieure de mauvaise ventilation, ça paraît évident pour un nombre important d'entre eux de porter le masque. Mais dès qu'on est dans des situations de contact physique rapproché avec les amis, la famille, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qu'on observe aussi avec la distance physique, où ils font un effort certain, mais il y a des situations qui rendent ce suivi plus compliqué. Et au niveau des contacts sociaux, là, juste peut-être quelques chiffres qui montrent que ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux les ont aidés à garder des contacts, que par rapport au grand rassemblement qu'on a observé, on voit ici que 2/3 d'entre eux déclaraient quand même éviter ces situations de rassemblement, donc de faire un effort, même s'il est coûteux pour eux, de ne pas s'y rendre. Quand même une moitié d'entre eux évitent aussi les situations de rassemblement, même privées, parce qu'il y a une conscience du risque chez eux. Donc il faut toujours se dire qu'il y a la phase visible, qui est des jeunes qui se rassemblent, par exemple au bois de la Crambre, mais il y a aussi toute une série d'étudiants qui ne le font pas, ou même qui sont en situation d'anxiété très claire par rapport à ces situations de rassemblement. Et alors, on a aussi posé des questions sur la vaccination, les tests salivaires. Donc, une très grande majorité sont prêts à avoir des tests salivaires réguliers quand les cours recommenceront. En revanche, pour la vaccination, on était en février à 57%, un chiffre qui n'est peut-être pas très élevé, qui a peut-être pu augmenter un petit peu, mais qui montre en tout cas qu'il y a cette fameuse question de la perception du risque. Les plus jeunes perçoivent moins de risques par rapport à la maladie, et raison pour laquelle on est là bien en deçà de ces fameux 70% qui devraient idéalement être atteints. Et alors, la dernière partie de l'enquête, c'était sur les perspectives d'avenir, la sortie de la pandémie, quels sont les éléments que les étudiants estiment prioritaires dans la situation actuelle. Et si je lis par exemple le dernier exemple ici, selon moi, le Covid
nous aura tout de même permis de revoir nos priorités. Je me suis rendu compte que prendre du temps pour moi, passer des moments avec mes proches, ma famille, mes amis, sont des choses essentielles à ma vie. J'aurais envie d'en faire une priorité avant mes études. Vous allez voir, dans un des résultats, c'est un élément important et je dirais encourageant qu'il y a toujours des apprentissages à toute situation de crise et que manifestement, ces étudiants du supérieur, cette période les a fait réfléchir, elle les a fait réfléchir à leurs engagements futurs. Et je pense qu'il faut, vraiment en prendre conscience et se rendre compte qu'ils sont motivés à s'engager dans toute une série d'actions de solidarité, notamment, et qu'ils ne demandent qu'à le faire dans les mois qui viennent. Donc, dans les perspectives prioritaires, on voit que le retour sur les campus et la vie sociale, ben, sans surprise, sont des éléments hautement prioritaires. Pratiquement 80% d'entre eux disent que c'est vraiment de ça dont ils ont absolument besoin. La question voir la famille, en fait, c'était une question qui ne touche qu'une partie des étudiants. C'est les étudiants qui ont vécu pratiquement toute leur année académique en côte et qui ont décidé de s'isoler, de ne pas revenir dans leur famille. Ce choix, évidemment, leur pose des difficultés. Alors ici, dans les scénarios de reprise, c'est plus sur les activités sur le campus, hein, et on voit en fait que, ben, en gros, la barre verte, elle est élevée pratiquement partout, puisqu'elle est au moins à 70%. Donc en fait, ici, on leur a proposé une série d'activités. On voit que la première qui revient, c'était l'accès aux facilités, comme les bibliothèques et les salles informatiques, avec 91%. Mais la dernière, les activités festives, 68%. Donc je veux dire, en gros, ils ont besoin de toutes les activités, même si certaines sont peut-être un peu plus prioritaires que d'autres. Ce retour à cette vie relationnelle est important, je dirais, dans toutes les sphères de cette vie relationnelle. Alors, un point important, c'est la perception des aides. Évidemment, il y a une chose, il y a les difficultés qui sont là, les aides qui sont mises en place par les autorités politiques et dans quelle mesure ils en ont une perception. Donc, à peu près un peu plus de 60% estiment avoir reçu au moins modérément beaucoup, énormément d'aide. Donc, il y a quand même chez deux tiers d'entre eux cette perception. Donc, c'est encourageant, mais il y a certainement des efforts supplémentaires à faire, puisque dans certains cas, en fait, on se rend compte d'un mauvais aiguillage. Ils sont en difficulté, mais ils ne savent pas nécessairement à qui s'adresser. Ils ont aussi mentionné toute une série d'aides qui sont particulièrement utiles pour eux. Et alors, les apprentissages durant la crise, je dirais, c'était la fin de l'enquête et c'est encourageant puisque on voit que, par exemple, en termes de solidarité, les solidarités entre étudiants sont venues en tête. Pratiquement 90% d'entre eux sont au moins en accord ou en tout cas neutres par rapport à ça. Si on prend que l'accord, en tout cas plus de 70%, 75% disent cette situation de crise me fait rendre compte qu'une solidarité accrue avec les étudiants en difficulté est quelque chose de vraiment important. Mais on voit aussi que, de manière générale, la solidarité dans la société, c'est la quatrième barre, par exemple, atteint aussi un niveau plus qu'appréciable. Donc, il n'y a pas seulement la solidarité immédiate. Je vois, par exemple, que certains de mes copains de cours sont en grande difficulté financière, mais globalement, il y a cette prise de conscience qui est là. Lors de présentations précédentes, on a parfois eu des débats sur que faut-il penser, par exemple, d'un des derniers items, hein, si on commence sur la droite, le troisième en partant à la droite, qui est s'engager dans le combat pour le climat. On a 40% des étudiants qui disent qu'ils sont d'accord. Alors certains nous disaient, mais c'est peu. Moi, j'ai répondu, mais l'item est fort, hein, c'est s'engager dans le combat pour le climat, donc c'est vraiment un engagement actif. Et le fait que 40% des étudiants déclarent être prêts à s'engager activement pour une cause comme le climat, je dirais que c'est plutôt un chiffre élevé, parce que ça, ce n'est pas simplement agir seul chez soi, mais c'est vraiment avoir une démarche participative active. Donc, ça veut dire ici qu'il y a des potentiels qui sont vraiment importants et qui mériteraient certainement d'être mis en action rapidement. Voilà, et donc on avait terminé par quelques orientations, mais il y en a beaucoup d'autres, et on pourra certainement en discuter, mais il y a certainement à faciliter une prise de conscience de tous les espaces qui permettent la reprise des contacts. C'est clair que les aides doivent être le mieux possible visibilisées et qu'elles concernent différents niveaux. Certains ont plus besoin d'aide financière, d'autres d'aide pédagogique, d'autres d'aide psychologique.
Que les campagnes de prévention sans doute nécessiteront d'être poursuivies, mais ça évidemment en fonction de l'évolution épidémiologique. Mais on a pu voir que dans certains contextes, en tout cas, la prise de risque n'est pas toujours évaluée et que sur les campagnes de vaccination, par exemple, là, il y a certainement encore des efforts qui doivent être faits parce que ben, ce n'est pas quelque chose qui vient en tête des préoccupations des jeunes. Donc, vous voyez, on a brossé vraiment très, très large et encore ici, je n'ai pas pu vous rendre compte de toutes les questions. Et on a une phase 2 qui aura lieu dès le 7 juin. Ce n'est pas une période idéale, mais en tout cas, ça va couvrir toute la période des examens. Les directions d'école, de nouveau, vont communiquer le lien. Et dans cette nouvelle enquête, on va monitorer l'évolution de la santé mentale, mais on va aussi proposer des scénarios plus concrets sur leurs besoins pédagogiques, par exemple, afin de préparer au mieux la rentrée, de voir au mieux ce dont ils auraient le plus besoin. Donc, on a une partie des questions qui répètent ce qu'on a demandé en mars, c'est toute une partie qui s'adapte en fait à la situation actuelle. Évidemment, la période d'examen fait qu'on aura peut-être moins de réponses, mais on table au moins sur 10 à 15 000 réponses au vu de ce qu'on a eu à la première enquête. Voilà, je propose de m'arrêter là, de manière à avoir suffisamment de temps pour avoir cette discussion et répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Et peut-être que je vais alors arrêter le partage de l'écran. Voilà. Voilà, donc je suis à votre écoute par rapport à toutes vos questions et toutes vos interrogations. Moi, j'ai peut-être une question, si je peux prendre la parole, Nicolas. Mais moi, je voulais vous demander, voilà, pensez-vous que la crise du Covid-19 laissera des traces chez les jeunes adultes par la suite? Quels seront éventuellement les traumatismes possibles? Et puis aussi, quels conseils finalement concrets est-ce que qu'on pourrait donner à ceux qui se sentent plus fragiles actuellement? Donc, sur les conséquences à terme, je dirais, de manière globale, personne ne sortira indemne de cette crise. Elle a été très longue. On ne peut peut-être pas prévoir ça à la sortie de l'été, mais quand on voit tout ce qui s'est passé depuis octobre, là, il n'y a aucun doute. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas un retour à la période d'avant. En fait, on va tous être transformés par cette crise. Pas que pour des aspects négatifs, et ça j'insiste vraiment, parce que je pense que toute situation d'adversité est une situation d'apprentissage, de remise en question et de réévaluation des valeurs. Donc de ce point de vue-là, pour l'ensemble de la société, il y aura aussi des éléments importants et positifs, mais on sortira transformé. Et ce qui est particulièrement difficile pour les jeunes, c'est ce besoin de contact qui a été mis à mal pendant une aussi longue période. Donc, il y aura certainement un avant et un après. Je pense qu'on devra insister fortement sur le fait qu'au-delà de la crise sanitaire épidémiologique, il y a une crise de santé mentale qui devrait être prise en compte et que les autorités politiques doivent absolument se rendre compte que l'année 2022 va être une continuité des problèmes de santé mentale. On peut espérer qu'au niveau épidémiologique, on puisse en être quitte à la fin de 2021 et encore, mais en tout cas au niveau de la santé mentale, c'est sûr que c'est des choses qui se manifestent plus lentement, c'est-à-dire que l'émergence des problèmes de santé mentale n'est pas immédiate. On sait par exemple qu'au moment de la reprise, il y a toute une série de facteurs, consommation de substances par exemple, ou passage à l'acte suicidaire qui augmente. En fait, la reprise d'activité est une période de risque aussi, et donc il ne faut pas la négliger. Il y a toute une série de gens fragilisés qui craquent en fait au moment où on revient dans une vie normale. Donc ça veut dire qu'il faudrait être très attentif à ces personnes, mais qu'il faudra aussi assurer ce monitoring. Et donc pour nous, c'est au minimum l'année 2022, voire au-delà. Donc ça va être essentiel que dans les politiques sociales de tous les gouvernements en Belgique, il y ait cette planification budgétaire au minimum pour 2022 et voire 2023 par rapport à ces problèmes de santé mentale et ces problèmes psychologiques. Et alors au niveau de votre question sur les conseils concrets, je pense que ce qui sera vraiment important, parce que la demande est telle, c'est d'arriver à organiser les choses, je dirais, sur trois niveaux. Un premier niveau, je dirais, généraliste, qui concerne des campagnes d'information et de conseils concrets et pratiques par rapport à une majorité de jeunes qui ont été touchés, mais de manière modérée, et qui n'ont pas besoin en tant que tels d'une aide psychologique, mais quand même, qui ont été désorientés dans la situation. Et donc là, tout ce qui va concerner, je dirais, des webinaires avec beaucoup de monde,
quand on pourra reprendre du présentiel, aussi des débats publics où les questions peuvent être posées ouvertement, ça va être essentiel pour une prévention à un premier niveau. À deuxième niveau, je dirais pour les gens qui ont été touchés plus fortement, c'est de commencer par des actions collectives. Et dans ces actions collectives, il y a toute une série d'aspects qui peuvent être mis en place et d'aide, par exemple, en termes de gestion de l'anxiété. Et en troisième lieu, il s'agira aussi de repérer les publics les plus vulnérables et ceux qui ont besoin d'une prise en charge individuelle. Mais il ne faudrait pas, en fait, tout de suite arriver dans une situation où on orienterait tout le monde vers la prise en charge individuelle, qui pourrait être utile à tous, mais au vu des priorités, ces trois niveaux sont vraiment importants, de manière à ce que chaque jeune, en fonction du niveau de gravité de sa situation psychologique, puisse recevoir les aides qui sont les plus appropriées. Merci. J'ai encore pas d'autres questions. Oui, j'ai une petite question. Vous en avez parlé tout à l'heure de 13-15%, plus ou moins, si je me souviens bien, des gens qui ont eu recours à de l'accompagnement psychologique. Est-ce que... quels sont les efforts actuellement à partir, par exemple, de cette enquête-là, de ces trois universités qui ont participé à l'enquête pour mettre en place tout un projet d'accompagnement très spécifique, d'accompagnement psychologique, soit individuel ou bien collectif. Vous avez parlé justement d'une forme d'accompagnement collectif. Est-ce que ça va se mettre en place et comment? D'accord. Donc, en tout cas, là, je dirais au niveau des, par exemple, des trois universités qui ont participé à l'enquête, le relais a été fait assez immédiatement. Donc, pour moi, c'est le plus facile de parler de l'UC Louvain. Donc, on a eu l'occasion de présenter ses résultats au conseil rectoral, au conseil académique et même la semaine prochaine au conseil d'administration. Donc, en tout cas, il y a clairement une préoccupation. Et mes collègues de Liège et de l'ULB m'ont indiqué que c'était la même chose dans leur université. Et je dirais l'avantage des grandes structures, c'est qu'il y a déjà des services d'aide psychologique qui existent. Il y a des possibilités alors de permettre une gratuité de l'accès à ces services d'aide psychologique. Donc, je dirais ma préoccupation, probablement, c'est plus pour les plus petites structures en fait, qui ne disposaient pas de services d'aide psychologique, qui pourraient avoir plus de difficultés. Et là, il va falloir vraiment qu'il y ait une attention dans les hautes écoles, dans les écoles supérieures d'art, sur ce qui est possible de faire. Par exemple, on voyait que les niveaux de dépression, d'anxiété étaient les plus élevés en fait, dans les écoles supérieures d'art. C'est des écoles souvent de plus petite taille. Et donc, là, évidemment, le suivi est plus lointain et il s'agira d'attirer l'attention des autorités sur le fait que là, il va falloir sans doute prévoir autre chose parce qu'il n'y a pas des ressources internes qui sont suffisantes. Donc, je ferai vraiment cette distinction en fonction de la taille de l'école et de l'existence de services psychologiques. Quand il y a déjà des services sur place, les choses sont plus faciles, la concertation peut se mettre en place et les priorités peuvent être dégagées. Par contre, dans des structures plus petites qui sont déjà fortement préoccupées et pour qui le temps est sur les efforts pédagogiques, là, je pense que des aides extérieures vont être nécessaires pour faire face à ces difficultés. Oui, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Dorota, je t'en prie. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Dorota Golic, je représente une fédération Forgi, qui est une fédération de maisons de jeunes. Donc c'est un public majoritairement 12-26 ans. Et nous, donc les travailleurs dans les associations nous font vraiment remonter des constats qu'ils font donc sur les jeunes qui fréquentent leur structure et donc les constats de problèmes psychologiques et de santé mentale au niveau de leur public. En quelque sorte, ils prennent un peu la mesure de l'impact de cette pandémie sur la relation des liens individuels et sociaux au niveau des jeunes. Et en vous écoutant, donc,
Vous avez parlé de 55% du public, en tous les cas interrogé, qui disait avoir des symptômes de dépression, ce qui me semble être quelque chose d'énorme au niveau donc, de la répercussion sur ce parcours et l'insertion des jeunes. Me semble-t-il, ça risque d'avoir vraiment d'énormes répercussions de partir dans la vie avec déjà une expérience de dépression donc du coup d'une fragilité au niveau donc psychologique et de l'insertion dans la société. Vous avez parlé qu'il y a des constats positifs, mais en tous les cas, les travailleurs des associations, c'est ce qu'ils voudraient faire aussi, amener des partis positifs. Et donc, ma question était sur quels sont vos conseils donc au niveau d'outils et pour les travailleurs et de formation qui seraient peut-être pertinentes pour qu'ils puissent accompagner ces jeunes et à quoi il faut être attentif. Parce que ben, forcément, ce sont des travailleurs en maison de jeunes, donc on n'a pas forcément. C'est des activités et des animations, on n'a pas forcément une formation psychologique. Et donc, en même temps, les jeunes viennent quelque part, comme il y a une relation de confiance, ils leur demandent quand même conseil. Ad minima, donc forcément, il y a un investissement auprès du jeune et les travailleurs sont fortement en demande d'outils, de conseils et de formation. D'accord, oui, c'est beaucoup d'éléments importants dans ce que vous dites. Un point auquel je pense maintenant, qui me semble important, c'est dans la programmation des activités des maisons de jeunes l'année prochaine. Je pense qu'il faudra un bon équilibre entre des activités vraiment festives et récréatives dont ils ont absolument besoin, en balance avec une série effectivement de débats et de questionnements ouverts, parce qu'ils en ont besoin aussi. Et donc j'insiste vraiment sur cet aspect-là, la reprise des activités va fragiliser un certain public, et donc il faut en tenir compte. C'est des gens qui ont été fortement bouleversés par la situation, qui vont avoir du mal à revenir à cette vie sociale d'avant. Ils ne vont pas justement participer à ces activités festives, et donc il faut absolument les aider. Et donc je pense que dans la programmation d'activités des maisons de jeunes, cet équilibre entre les deux est vraiment fondamental. Sur un nombre varié de questions, dans lesquelles je pense que l'appel à des spécialistes des questions psychologiques va être vraiment importante, et je pense que là il y aura des collaborations fructueuses à avoir avec des associations professionnelles de psychologues, avec des centres de santé mentale justement pour permettre d'avoir ces moments d'échange. Je pense qu'avec les animateurs aussi, il y aura des choses à faire. C'est chaque fois quelque chose en deux niveaux. Il y a à la fois des psys qui peuvent être mobilisés pour aller sur le terrain et parler avec les jeunes, et d'autre part, d'autres psys pour assurer des formations et des discussions avec les animateurs. Donc, il y a deux niveaux certainement à distinguer. Là aussi, j'attire votre attention sur différents types de financements qui existent. Par exemple, je ne sais pas si vous avez été alerté par ce financement de la Fondation Roi Baudouin, qui est en cours pour le moment. Il y a eu une première phase individuelle avec des petits financements, mais maintenant, on a une phase collective où seules les associations peuvent postuler. Et là, pour des budgets de mémoire de 30 000 à 50 000 euros, donc ça doit partir d'une association, en l'occurrence j'imagine que la vôtre pourra en être une, et justement de propositions concrètes d'activités motivantes et d'engagement dans toute une série d'aspects, par exemple des priorités que j'ai mis en évidence avant. Et donc ici, c'est important de souligner parce que, en fait, pour le moment, je constate qu'il y a tellement d'initiatives qu'à certains moments, il y a ces initiatives, les publics cibles finalement ne sont pas au courant, et puis quand on reçoit les candidatures, il n'y a peut-être pas autant
de personnes qui postulent parce que simplement l'information n'a pas circulé. Donc si vous n'êtes pas au courant, je pourrais vous envoyer le lien parce que je pense qu'il faut profiter de ces financements qui permettent alors vraiment d'organiser quelque chose de structurant à plusieurs niveaux, où ce budget peut à la fois servir à l'organisation de ces activités collectives, mais aussi à la formation des animateurs dans les différentes maisons de jeunes. Oui, en effet, parce que on n'est pas forcément au courant, alors que le besoin existe de manière criante. Absolument, oui, tout à fait. De plus, je disais, ce sont des animateurs professionnels, donc qui justement cherchent à se former et amener un maximum d'expertise vers le jeune. Ils sont à l'écoute, justement. Mmh. C'est vraiment leur public. Et eux-mêmes ont très mal vécu cette pandémie parce qu'ils étaient éloignés de leur public. Mmh. Forcément. Absolument. Et ça, c'est un point important. C'est que tout le monde a été touché. Et donc, il faut tenir compte, effectivement, du fait que les animateurs aussi ont été touchés. Donc, ils ne ressortent pas indemnes de cette situation-là, à la fois dans leur activité professionnelle, mais dans leur vie de tous les jours aussi. Donc, en fait, on a une situation très particulière. C'est que souvent, dans des crises précédentes, on avait, je dirais, les gens qui ont été victimes de la crise et les autres qui pouvaient leur venir à l'aide. Mais ici, tout le monde est impacté. Et donc, en fait, à tout niveau, les gens ne sont pas non plus dans leur état de ressources habituel. Fait d'accord avec vous, c'est vraiment vraiment le cas. Très fragilisé justement dans cette relation, puisque les maisons de jeunes, c'est principalement une relation de confiance avec le jeune. Ils ont été complètement coupés de ça, et donc il faut vraiment reconstruire complètement ce relationnel. Et donc ça doit être fait ça dans au minimum un moyen terme, en tout cas de sans doute plusieurs années, quoi, ça c'est clair. J'ai une autre question, ça en avait parlé tout à l'heure aussi, du fait de la plusieurs jeunes qui ont été touchés, fragilisés économiquement pendant les confinements, tout au long de la pandémie, et puis d'un nombre très important de jeunes en dépression. Et je voulais savoir si vous avez pu, vous avez réussi à avoir une corrélation entre ces deux variables. Est-ce que c'est pas, disons, l'ensemble du contexte pandémique qui pousse vers cette dépression, mais dans des cas particuliers ou des variables précises comme les problèmes économiques qui vont aggraver ou en tout cas qui vont conduire plus facilement vers cette dépression. Est-ce que vous avez pu faire ce genre de corrélations, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc, on a commencé à examiner ces aspects-là qui sont des tentatives d'explication de certains résultats et des relations d'une variable sur une autre. Par exemple, un point qu'on a pu dégager pour le moment, c'est qu'on a posé des questions sur les bourses d'études aussi je dirais peut-être sans surprise, mais donc les chiffres le montrent, le public fragilisé, ces étudiants qui ont fait des demandes de bourses qu'ils n'ont pas obtenues, ils sont dans des états de dépression plus importants en fait que les publics, soit qui n'étaient pas en besoin de bourse, soit qui étaient en besoin mais qui l'ont obtenu. Donc ça, par exemple, quand on a considéré les trois catégories, on a vu que les taux de dépression, d'anxiété étaient les plus élevés dans ce sous-groupe demande de bourse non obtenue. Ce qui montre que y a là un lien certain entre une situation financière fragilisée et un état psychologique de vulnérabilité. Maintenant, ce qu'il va falloir faire avec toutes les données qu'on a, c'est peut-être affiner les choses et un petit peu mieux examiner dans quelle mesure certaines ressources peuvent atténuer ces aspects de dépression et quels sont les facteurs qui vont les aggraver, d'avoir peut-être une vision plus claire justement de cet équilibre ressources et difficultés, quoi, parce qu'il faut toujours considérer que malgré l'ampleur de la crise et ça c'est ce que j'explique aussi à mes étudiants de psychologie, je veux dire les gens qui vont développer une maladie physique ou une dépression, c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus encaissé, c'est ce rapport entre ce qu'ils ont encaissé et ce qu'ils avaient autour d'eux. Il y a des gens qui ont encaisser des choses très dures, mais qui ont eu un soutien énorme de leur entourage, et grâce à ce soutien extérieur, ils ont pu s'en sortir.
Il y en a certains qui ont peut-être vécu des situations d'adversité moins importantes, mais manquant de réseau social, manquant de confiance en eux, ne connaissant pas les adresses des lieux d'aide, ben c'est ceux-là qui vont craquer le plus, quoi. Donc, il faut essayer de voir chaque fois, chez chaque personne, cet équilibre entre les deux. Et donc, ça, c'est certainement quelque chose qu'on va pouvoir affiner ultérieurement. Mais là, bon, les premières analyses étaient assez... On nous a pris assez bien de temps. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir deux temps de mesure. Donc, on a été assez vite occupé aussi avec le deuxième temps de mesure. L'été nous permettra d'affiner les choses et d'un petit peu avoir des modèles un peu plus explicatifs aussi. D'accord. Moi, je voudrais savoir si vous avez l'intention de poursuivre cette étude pour éventuellement voir si les suites, puisque cette période, je voir un petit peu quel impact elle va ou risque d'avoir sur justement l'insertion dans la société de ces jeunes qui ont eu ce parcours, positivement, enfin je vais dire les forces et les faiblesses, hein, et forcément dans le monde du travail. Est-ce que quelque chose de ce style est prévu ou pas vraiment? Pour le moment non en fait, donc faut savoir que nous aussi, notre vie académique a été un peu bouleversée, donc on est comme ça une série d'académiques à s'être investis dans ces questions parce qu'on s'est rendu compte de l'importance sociétale qu'elles avaient. Et ici, par exemple, le contrat qui a été négocié est un contrat de 6 mois, donc qui se termine fin août, c'est-à-dire qu'avec la ministre Glatini, ben voilà, elle nous a donné un subside de 6 mois qui nous a permis d'engager 2 chercheurs. On va remettre un rapport en été, on ne sait pas quelles seront les suites. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais le premier niveau ici, c'était de faire une évaluation au cœur de la crise et à la période d'examen. Et les 2 chercheuses qu'on a engagées, ben, elles sont engagées jusqu'au milieu du mois d'août. Donc, grand point d'interrogation sur la suite. Personnellement, je plaiderais, voire même pour des collaborations interdisciplinaires avec sociologues et anthropologues, parce que, à mon avis, cette crise va avoir un impact à long terme, à différents niveaux. On absolument. Je plaider absolument. Que pour ça auprès de la ministre et des ministres. Absolument, oui, c'est ça. Et là, évidemment, je dirais la ministre et les ministres, parce que ce qui est compliqué dans notre pays, en plus, c'est que les compétences sont très largement partagées. Donc, ici, par exemple, elle nous a dit, oui, tout ce qui est pédagogique, c'est de mon ressort, mais les aides psychologiques, ça sort déjà un peu de mes domaines de compétences. Donc, je pense que c'est important aussi que... déjà au niveau des gouvernements francophones, il y a une prise de conscience de l'ensemble des ministres de la situation et qu'il y a une bonne collaboration entre eux sur les pistes d'action qui, vu le nombre d'aspects qu'on a investigués dans notre enquête, ben les personnes en charge sont assez nombreuses, quoi, et les relais devraient se passer à plusieurs niveaux, certainement. C'est effectivement une question très importante parce qu'il y a, voilà, les chiffres qui sont sortis maintenant, mais nous, on devra travailler sur la durée aussi avec, avec ces jeunes. Et donc, on a la chance ou la malchance de voir très souvent Madame Glatini pour le moment. Et donc, on aura l'occasion certainement, Dorota et moi, de la solliciter là-dessus parce qu'on aura besoin en tout cas de cette aide à long terme, enfin, en tout cas jusqu'au moment où on a une nouvelle génération qui a été moins impactée, mais c'est certain. Mais moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, parce que justement, par rapport aux ressources, donc, vous avez parlé de 3 niveaux, donc de tout ce qui touche aux campagnes, aux activités collectives, et bon, ben ça, c'est vraiment ce que propose l'organisation de jeunesse, les centres de jeunes et les maisons de jeunes. Également, tout ce qui touche à l'engagement, puisqu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont bénévoles, qui participent aux activités pendant les vacances et qui ont du coup un rôle, et ça peut peut-être aussi leur donner un certain sens de vie, et ils aiment beaucoup. En tout cas, généralement, ils sont animés, puis ils deviennent bénévoles, et parfois, ils font autre chose de leur vie, parfois, ils travaillent avec nous par la suite. Mais juste pour revenir sur le premier niveau de la campagne, parce que nous sommes aujourd'hui sollicités un petit peu de toutes parts sur le fait de sensibiliser les jeunes à la vaccination.
Nous recevons plein d'outils pédagogiques de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des supports visuels et tout ça. Mais nous, dans nos missions, ben voilà, il y a le fait de rendre les jeunes citoyens solidaires, mais également de susciter cet esprit critique chez eux. Et du coup, ben moi, j'aurais bien voulu avoir quelques conseils, parce que nous sommes en train de réfléchir à ces campagnes de vaccination. Comment est-ce qu'on peut les rendre attractifs, tout en laissant aux jeunes aussi cet esprit critique et à pouvoir aussi décider par lui-même de ce qu'il veut faire, mais tout en le conscientisant un petit peu des enjeux qu'il y a ici. Oui, je pense que par rapport à cette question de la vaccination, quelque chose qui est fort utile, c'est les débats publics, quoi. Les débats dans lesquels il y a une possibilité de participer, de dire ouvertement pourquoi on ne veut pas le faire, ce qui peut faire peur aussi, parce que les raisons sont multiples, en fait. Donc justement, dans la phase 2 de l'enquête, on va avoir un volet vaccination très détaillé pour investiguer toutes les raisons qui peuvent pousser à accepter ou à ne pas accepter le vaccin. De manière à pouvoir mieux cibler les types d'arguments qui doivent être avancés, mais chaque fois de manière ouverte. Bon, heureusement, la vaccination est volontaire, elle doit absolument le rester, ce qui permet de susciter le débat. Moi, je trouve que ce qui donne pas mal, c'est des débats publics, comme certaines personnes l'ont fait. Il y a eu cette expérience dans un athénée de Bruxelles récemment. Ça doit absolument se multiplier, c'est-à-dire que les spécialistes doivent descendre sur le terrain, être ouverts et répondre à toutes les questions. Sans tabou, en sachant que l'objectif, c'est finalement que les gens soient le mieux informés possible. Je dirais, on aura déjà bien progressé si les jeunes, d'ailleurs comme toutes les catégories d'âge, mais en savent plus en fait. Et en fonction de ce qu'ils savent, à ce moment-là, ils prennent leur décision. Et in fine, peut-être que ce sera oui, peut-être que ce sera non. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas connus, qui ne sont pas compris. Moi, j'ai eu l'occasion, dans un de mes cours, d'inviter Emmanuel André. C'était une super discussion. Les étudiants ont appris énormément de choses. Il a expliqué les choses de manière simple, avec quelques graphiques. Et donc, ça leur a fait prendre conscience, en fait, de toute une série d'éléments qu'ils ignoraient sur pourquoi la vaccination doit être rapide, quels sont les risques quand elle est lente, quels sont les impacts des mutations diverses. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur leur vie à eux et la liberté qu'ils pourraient retrouver. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et heureusement, je dirais, il y a pas mal d'experts qui sont prêts à faire ça, et je pense qu'il faut les solliciter au maximum, avec nécessairement aussi peut-être une partie du public sur place, mais avec des enregistrements qui après circulent sur les réseaux sociaux, qui sont accessibles, qui sont visibles, et en extraire des capsules vidéo qui peuvent aussi circuler. C'est ça qui va permettre de faire réfléchir au mieux, je pense. Je vous remercie, parce que c'est à peu près ce qu'on a fait. Donc, on a eu la chance aussi d'avoir Emmanuel André qui est venu à une première vidéoconférence. C'est vrai qu'il est extrêmement disponible. Enfin, il a fait entre deux rendez-vous, mais il était présent pour notre public. Il y avait vraiment, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et on essaie justement, pour le moment, puisqu'on ne peut pas encore faire vraiment du présentiel à grande échelle, de diffuser cette vidéo au maximum auprès de nos membres. Parce qu'en fait, nous, en tant que fédération, on a des membres qui eux-mêmes ont des centres et ça se multiplie. Donc, on doit leur offrir des outils. Évidemment que dès qu'on reprendra le présentiel, je pense que ce sera intéressant d'en refaire, et ce sera l'occasion avec mon équipe de pouvoir mettre ça en place et de susciter aussi ces activités au sein de nos membres, hein, parce que eux, ils ont un public jeune au quotidien. Nous, on a leur conseil d'administration ou leur directeur ou leur président, mais je vous remercie beaucoup, parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile quand on a reçu ce package avec surtout graphique de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il nous manque un vrai outil, une vraie réflexion sur quelle diffusion et comment les aborder, sans leur faire un bourrage de crâne en soi, et de leur laisser quand même, à la sortie de ces réunions, le choix de les faire ou non, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et là, je pense que c'est important d'avoir dans ces spécialistes des disciplines différentes, en fait, parce que un virologue va expliquer tous les impacts maladies épidémiologiques, mais psychologue, mais aussi, vous avez parlé de sociologue, je veux dire, les spécialistes de sciences humaines pourront mettre en évidence d'autres aspects aussi. Et donc, je pense que cette présence interdisciplinaire est importante aussi. Et il faut chaque fois faire attention. Moi, je ne me permettrai jamais
de faire un commentaire sur un aspect virologique, tout comme ça peut être risqué parfois qu'un virologue donne des conseils psychologiques parce qu'il est sur un autre terrain. Donc, des présentations croisées avec deux spécialistes de disciplines différentes, je pense que c'est aussi quelque chose de fort important et qui permet de mieux aussi appréhender les hésitations, les inquiétudes que les jeunes pourraient avoir. Je vous remercie pour ces précisions. Personnellement, et aussi pour avoir un peu un retour aussi des associations et des travailleurs, que ce soit au niveau des travailleurs d'ailleurs, et que ce soit au niveau des jeunes, plus justement ce consentement, cette information au vaccin va être éclairée, mieux ce sera, parce que du coup, ça donne vraiment la possibilité à ce qu'ils puissent faire leur opinion, se faire leur opinion eux-mêmes. Et parce que il y a eu tellement de tergiversations par rapport à ces vaccins que plus on arrivera à leur donner des points de vue multidisciplinaires, mieux ce sera. En tous les cas, au niveau associatif, c'est pour ça que qu'on plaide. Nous, en tous les cas. Oui, tout à fait d'accord. Donc je peux en tout cas certainement vous envoyer le PowerPoint de cette présentation, comme ça vous avez aussi les éléments chiffrés, et comme je disais, je pourrais vous envoyer le lien vers cet appel à financement qui est en cours pour le moment, qui à mon avis vous pourrait certainement vous intéresser aussi. Oui, énormément. Est-ce qu'on peut diffuser, par exemple moi, au niveau de mes affiliés, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse diffuser donc, cette étude, c'est possible? Ah oui, donc ce PowerPoint qui reprend les éléments principaux peut être distribué, oui, tout à fait. Et voir un petit peu, parce que moi j'ai certains affiliés qui justement sont en réflexion par rapport à des démarches auprès des psychologues et des projets en direction des jeunes, mais en lien avec des psychologues et autres. Est-ce que vous avez des contacts éventuels? Et éventuellement, est-ce qu'ils peuvent revenir vers vous, ou est-ce qu'il y a un listing, des conseils à ce niveau-là, puisque ça peut être toujours intéressant pour qu'ils puissent avoir des référents vers qui se tourner, le cas échéant. Oui, donc un point, je pourrais envoyer le lien aussi, c'est notre groupe Psychologie et Corona, parce qu'il comprend à la fois des professionnels psychologues et des chercheurs, et donc c'est une combinaison des deux domaines d'expertise, et donc là vous aurez une liste de personnes qui peuvent certainement être consultées, et d'autre part il y a aussi une association professionnelle du côté francophone qui s'appelle l'UPPCF, Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones, qui est une association qui regroupe de mémoire à peu près 700 psychologues cliniciens et qui s'est beaucoup préoccupée de ces questions-là. Sur leur site, ils ont toute une série de conseils d'ailleurs sur les questions liées au Covid, et je sais que le président de l'association et son conseil d'administration sont aussi désireux de nouer des contacts avec toutes les associations intéressées par ces questions psychologiques, quoi. Et donc, eux aussi pourront certainement répondre favorablement. Donc, en tout cas, voilà deux pistes. Et là, je pourrais aussi vous envoyer les liens vers les deux côtés, quoi. Oui, merci. Est-ce que vous avez la connaissance d'autres études ou enquêtes sur du même style ou dans d'autres disciplines qui pourraient être intéressants pour... J'en ai pas connaissance pour le moment. Il y a une enquête sur un seul temps de mesure qui a été réalisé du côté néerlandophone pour le moment, qui à mon avis va sortir prochainement dans les médias. Mais sinon, non. Je pense qu'ici, ce qui était exceptionnel, c'est aussi la taille de la réponse, le nombre de réponses. Et je pense que c'est parce que ça correspondait à un besoin. Les étudiants avaient besoin de s'exprimer à ce moment-là. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces 23 000 étudiants, encore que les 18-25. On a aussi des étudiants plus âgés en reprise d'études, mais on ne les a pas analysés avec les plus jeunes parce qu'il y avait des différences de contexte importantes. Mais donc, le fait qu'on ait eu autant de réponses, ça reflétait aussi ce besoin énorme. Donc, je n'ai pas connaissance d'études sur un tel échantillon pour le moment sur ces questions-là, quoi.
Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer tous ces documents et n'hésitez pas à me recontacter aussi par la suite si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez être réorienté vers certains spécialistes par rapport à certaines questions. Je peux certainement assurer ce relais. Oui, aussi, on peut à un moment donné refaire effectivement en présentiel quelque chose avec plusieurs spécialistes. Je pense que c'est intéressant de pouvoir vous compter autour de la table également. D'accord, en tout cas, certainement. Ça a été très instructif parce que c'est vrai qu'on est, on se sent parfois un peu désarmé et perdu. Et puis, ben, nous aussi, voilà, on est tous chez nous. La crise nous a aussi impactés. Voilà, c'était pas évident. Nous avons dû travailler sur des protocoles avec la ministre régulièrement, alors que ben, on n'est pas virologue, on ne sait pas nous-mêmes savoir qu'est-ce qui met en danger ou non. Le jeune, on ne peut que écouter le scientifique et puis approuver et faire en sorte de en même temps répondre à la demande des jeunes de pouvoir se rencontrer et en même temps de leur demander et de leur imposer ces règles-là. Et donc, ce genre de rencontre nous fait vraiment du bien et nous permet de trouver des outils et de nous conforter dans nos missions, dans nos actes. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on ne fait pas pire? Et donc vraiment je vous remercie parce que ça nous a pas mal aidé, enfin moi en tout cas ça m'a pas mal aidé à mon niveau, donc je vous remercie pour vos informations. Ok, bah tant mieux, alors je suis ravie que c'est plus bien utile pour vous. Croyez-moi. D'accord, très bien, bah, merci à vous.